Donc on va faire ça pour cette nouvel épisode, ça YouTube. Donc là, on continue notre campagne avec Torox, le taureau des reins, The Brass Bull in English. Nous sommes en train de continuer d'améliorer l'armée de Torox avec des minotaures en tout genre. Donc on va prendre des minotaures comme ça, on va prendre des minotaures anti-large, on en a déjà deux, c'est pas mal. Pourquoi ils ont pas mis tous les minotaures d'un même côté? Et en plus on peut les recruter normalement, hein. Ouais. Donc là ça fera 4. On aura celui-là avec lui, ça fera 5. Est-ce que je prends les minots anti-infanterie? Ouais. Je prends plutôt un de chaque déjà. Comme ça, ce sera pas mal. Morgour, carnage, allez. Je vais envoyer Morgour en première ligne. Alors, la grande arche, faut que je regarde un truc. Après, le repos de Calédor, attends, ça peut être un bon plan. Attends, je regarde. 10, 18, 26, 36, 36. 50 points ici. Ouais, mais la porte de Lac va perdre des points aussi, hein. Bon, vous savez quoi? On va raser tout ce qu'on peut. Le repos de l'aigle, je vais compter, hein. 8, 16, 24, 34, 34. Attends, 8, 16, 24, 34 et 14. Ça nous fait 48. Et là, 10, 20, 14, 34, 34, 42. Mais là, après, avec ces deux-là, c'est la même porte, en fait. C'est ça qui m'ennuie. Bon. Ou alors le repos de Calédor. Parce que là, 18. Enfin, ouais. 10. Parce que 34 points, ça se prend là, mais c'est pas assez encore. Donc là, on va rapatrier toutes nos armées déjà. Non, on peut pas pour l'instant. Je vais essayer de continuer de renforcer l'armée de Khazrak avec des monstres. On a une bonne ligne de base, mais ça suffira pas. Pourquoi pas partir sur du... trois comme ça. Un comme ça. Donc là, il nous reste 4 points, 4 places. J'ai un rejeton du chaos. Je peux en prendre 2 de plus. Non, un de plus. Et pourquoi pas les deux autres minots à armes lourdes. Voilà. Comme ça, lui. Hop. Bon, on va y arriver. On va peut-être terminer cette campagne bientôt ce soir avec un peu de chance. Plus tard demain, je pense. Parce que bon, là avec tous nos calculs, on est hyper bon. Qu'est-ce qu'elle veut, la paix? Bon, on va prendre la paix. Bon, on est plus fiable, tant pis. On s'en fout, on est homme bête. Depuis quand un homme bête, ça doit être fiable? Vous avez vu ça ou dans Spirou? On va aller chercher Pawax. Alors, Morgour, la tour de Lyséane. On va prendre la tour de Lyséane, allez, on y croit. Établissons vite une nouvelle pierre. On remet notre combo habituel. Donc, vent et portée. Ensuite. Avec Torox, on va se ramener. On va commencer à préparer nos faire nos conneries. Il y en a un qui va descendre vers l'auteur. Donc comme ça, on va encore raser. On va détruire cette pierre. On va se remettre là. Et après, si on n'a pas réussi, on ira quand même dans l'auteur du sud. Voilà.
Nos armées sont ignobles, hein. Oui. Vous pouvez le dire. Vas-y, viens. En plus, s'il nous déclare la guerre, bah ça tombe bien. Tu sais quoi, toi, tu vas aller là, toi, tu vas aller là. Ah, défaite valeureuse, merde. Ça, c'est con. Il nous manque 3 unités. Lui, on va le mettre là, on va essayer de les bloquer. Thorax. Là, il faut faire parler la rage. Alors, je me demande si l'Auterne, ça va lui résister. Victoire de justesse. Allez, bisous. Toi, je vais te mettre attaque composonnée aussi. Je vais te mettre ça encore. Je vais chercher la grande arche tout de suite, tiens, par curiosité. Oh là là là. Oh, ce beau carnage de points. Oh. Oui, je sais, je fais du plagiat. Pour ceux qui se voient un peu certains anglophones faire ça. Donc là, c'est vrai que pour moi, il n'y a que Nagaroth dans le nord qui s'emmerde pas. Eh bah. Torox a été détecté. Bon, c'est bien. Pas Wax maintenant, s'il vous plaît. Pardon. Bon, on va essayer de faire en sorte qu'ils tiennent. Nous, on va essayer d'aller raser ici avec... raser et avancer. Bon, putain, le nombre de points de vie, mais mon dieu, quoi. Mais arrêtez, ça devient indécent. Kazrak, il a repris un rang. On va lui mettre rage primitive. Il peut encore prendre un point de compétence, charge dévastatrice et des équipements. Résistance physique. Bannière de la flamme éternelle, bannière de l'oriflamme de lumière. Rage bestia, ça c'est bien parce que ça évitera qu'ils perdent. Croissance de la horde, ça peut être utile puisqu'elle est en développement. Corruption du chaos, tant qu'à faire. Et attaque empoisonnée, comme ça, il aura un petit bonus. La tour scintillante, let's go. Alors, 26, il nous reste encore combien de points là? On peut aller chercher 16 points encore, bon, on va y aller. Allez Thorax, tu peux aller la chercher ou pas? Non, pas encore. Je vais attendre notre prochain tour. Là on va aller chercher la grande arche. Au fait, c'est quoi les chiffres au-dessus des villes? Alors, l'Oubou, le chiffre que tu vois là, c'est la dévastation actuelle. Cette dévastation, une fois qu'elle atteint un certain monde 10, tu peux commencer à faire des rituels pour augmenter tes points de marque de la ruine. Donc, l'objectif de la campagne, c'est d'avoir un nombre de 500 points de la ruine. Actuellement, on en a 327. Donc là, on est en train d'accumuler des points en rasant toutes les colonies autour. Plus une colonie a de points, plus elle leur ajoutera ici dans ce total. Et le moment que je voudrais lancer ce rituel, je gagnerai le nombre de points en marque. Ça va me permettre de débloquer la bataille finale qui est le cœur des ténèbres. Avec Thorax. C'est pour ça que j'essaie avec mes 4 armées, de faire le plus de dégâts possible.
Rage bestiale basse, mais 2 secondes. Plus t'as de rage, mieux c'est. En gros, hein. Bon, y en a encore un qui a pas compris. Merci Tyrion. Mais bon, la porte du phénix là, elle garde bien les entrées, ça c'est cool. Alors. Voilà, ça c'est fait. Bataille, non, on va épargner la créature. Toi, tu vas revenir ici. Parce que t'as pris tarif. Alors. Non, Loubou, ce sera pas en lien avec le vortex. Ça sera une bataille spécifique entre donc Malagor et Oxyotl que j'ai explosé ici. Donc c'est pour un but spécifique. C'est hors vortex, un petit peu comme les campagnes avec les rois des tombes et la côte vampire. Et aussi les DLC de Malus, Darkblade, Snitch. Donc c'est bien qu'ils n'ont pas fait que se centrer sur le vortex d'un certain point de vue. Je trouve que ça donne de la variété. Ah mince, ils nous ont devancé les cons là. 34 marques. Willy. On va les prendre hein. Ce qui nous fait qu'on monte à 361 marques. Donc là on se rapproche. Et lui là je vais le faire re-recruter dès que possible. Alors Momon, chercheur d'ennemis, c'est bien pour toi. Morgour. Ah, est-ce que je vais chercher quand même... Il y a combien de points là? 10, 20, 28, il y a 34 points encore. Hein. Ça nous permettrait d'atteindre les 395. Bah, tu sais quoi, je vais dire oui. Avec Torox, on va y aller. On va aller chercher l'autre porte. Les quêtes, elles sont bien. Bah, je les ai pas faites encore. Je pense pas que je vais les faire. Mais bon, parce que bon, le moment. Je l'aurais fait si j'avais pas eu la marque de l'épée de Ken, je les aurais faites, tu vois. Mais là, je me dis, j'ai l'épée de Ken, j'ai Torox. Là, je vais y aller en mode rouleau compresseur, tu vois. Voilà. Malagor, il va aller chercher le monument de la lune. Voilà, reconstitution. Et hop, Kazra qui revient là. Qu'est-ce que tu me dis? Tu me dis t'as la guerre, je suppose. Bah, bien. Je t'en prie, hein. Moi, ça me. Plus j'ai des nuits, plus je suis content, moi. On va se taper aussi Nakai là. Il faudra faire attention, par contre. Nakai, c'est pas un amateur. Pour ceux qui se rappellent. Voilà. Comme ça, on va choper 46 marques supplémentaires. Ce qui va nous faire monter à plus de 400. 407. Bah c'est good tout ça. C'est good. On va rajouter quoi encore? 4 rejetons. Un minou comme ça. Deux lanciers, un comme ça. Et je vais laisser un slot peut-être pour un shaman bray, tu vois. Voilà. J'ai tout essayé de le recruter. Alors qu'est-ce qu'on a d'intéressant? Fureur de corne, non. Confiant, non. Puanteur horrible de Nurgle, non. Et on me dit qu'il n'y avait pas de la place pour les dieux dans le 2.
Pur horrible de mort de Nurgle et fureur de Khorne, il y a une petite place. On va pas se le cacher. Discipliné, tiens, lui me plaît bien. Je vous conseille toujours un chaman discipliné. Je l'ai appris de Legend of Total War parce que plus 2 d'attaque dans toute l'armée, c'est intéressant. Il me reste encore quoi? Je débuffais son armure avec lui. Hop. Malagor, on va lui rajouter réserve magique, c'est bien. Momon, on va te mettre l'âme mortelle à fond. Encore un truc pour Morgour. Oh, attends. C'est quoi ça? Fléau des hommes ou défenseur mêlé? Couronne de camp, puissance des armes plus 10. Puissance des armes plus 10 pour l'armée de Morgour, ça va être intéressant. Voilà. Donc là, la côte vampire, la... Ocule. Il va pas me lâcher. Bon, on a perdu Morgour, dommage. Et le Therion là, il est vénère, je peux le comprendre. Donc peut-être... Bah, mais Morgour, tu le tues, il revient. Bon, on va le faire respawner ici, quoi. On va le faire respawner là. Et en plus, ils se prennent la corruption. Donc ça m'arrange. Ils sont en train de se mobiliser contre moi. Ça me fait plaisir. J'ai quand même tracé un peu ici pour aller plus rapidement à la porte de l'aigle et poser ma nouvelle pierre. Et puis... Bah, tant pis. C'est une armée de base. Le bouge peut me le permettre, tu vois. Ici, c'est pas un bon coin. Hein. On va essayer de tracer là. Attends. Voilà. Si on arrive à se rapprocher des bassins sacrés, on se met là. Et on va être bien. Malagor. On appelle ça savoir le vent du vortex, c'est ça. Alors, du coup, faut se prendre une petite défaite. Boubou, ça fait pas de mal. On peut pas toujours gagner. Voilà. Donc là, on va s'enfoncer dans l'industrie avec les deux armées de Khazrak et de Malagor. Et de l'autre côté, Torox. Corruption chaotique. Et réserve de magie, c'est pas déconnant ça. Par contre, il faut plus de conditions, j'ai l'impression, pour faire les batailles de quête. Si l'un tombe, qu'importe la distance. Là, il est intéressant là. 30% de portée, ouais. Je dis oui. Là, alors quittez. Donc là, on va essayer de se rendre au bassin sacré. Je pense que ça peut être une bonne position centrale parce qu'il y a tellement de colonies autour. Pour moi, c'est pas un mauvais plan. Alors, monsieur Torox et son armée minotauresque. Oh. Ouais, boum. On va sécuriser la porte de l'aigle, on va mettre quoi? La peste, allez, c'est parti. On va juste attendre quelques tours, le temps de fortifier. 17. De l'autre côté. On va aller ici. Mon armée est complète, ça c'est good. Je vais essayer de voir un peu ce que ça rapporte le bassin sacré. C'est quoi ça? Défenseur du grand dessin. Bon, ça va, on a eu chaud. On va mettre des points de vie à Moment, comme ça, c'est bon. Et toi, si je te fais avancer en raid, non, ça suffira pas.
Bon, après, ce sera niveau 2. Est-ce que tu aurais dire c'est prenable? C'est prenable. Bon, le terrain est juste à côté, mais globalement, c'est faisable. Voilà. On se remet là. Prochaine étape, port du griffon. On descendra sur le pic blanc. J'ai tout de suite reformer l'armée de Morgour. Ensuite. Eh ben on a du choix là. Deux rejetons déjà. Deux minots armes lourdes, ça peut être bien. Quatre archers. Deux lanciers. Ouais, on a déjà une armée quasi complète. La prochaine cible, ça va être le pic blanc. Non, la porte du griffon et ensuite le pic blanc. Alors, est-ce que je peux me faire un petit... Non, je peux pas. Oh là 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 là. Ça va être bon, tous ces points. 32 points de plus. Ça va faire 439. C'est pas encore ça, mais ça se rapproche. Je vais voir ce qu'il y a au bassin sacré. Ouh, il y a du people. Mais, regardez-moi ça. Bon. 10. 18. Je regarde s'il n'y a rien d'autre. Alors 10, 18, 26, 34, 38 points. Ça devrait le faire sur le papier. Sur le papier, bien sûr. Après lui, je peux le virer, le sang. Lui, et je vais mettre l'autre, le Sigor. Comme ça, puis. J'essaie de me ramener avec la deuxième armée, comme ça, ça ira plus vite. On fait tomber les bassins sacrés, on les fortifie, on rase tout ce qu'il y a autour, on se reprend une trentaine de points, et il nous faudra encore juste peut-être une pierre ou deux à la bâtir, et ce sera nickel. Donc là, le gore, lui, je le prends. Qu'est-ce qu'il nous resterait, là? Une manticore, hop. Un minotaure lourd. Ah. Ouais, ouais, ouais. C'est le crépuscule des hauts elfes là qu'on est en train de faire. Encore un truc qui va donner des points. Raser et avancer, c'est bien. Non, pas encore, attends. Non! Oh! Il peut aller la chercher ou pas? La porte, logiquement, elle peut tenir. Hein. Je dis bien logiquement. On va se reprendre 32 points. Mon Dieu, mon Dieu. Nourri par le sang, ça sera bien pour les troupes de Khazrak. On va se mettre là. On va se mettre là. Est-ce que c'est... ça là, dans deux tours, les bassins sacrés seront notre nouvelle pierre. À trois tours. Et là, on peut raser tout. Hein. Autour, je pense qu'on a l'armée les armées adéquates. Et s'enchaîner les points. Bon, ça, il a pas une grosse armée non plus. Pour le moment, je vais attendre. Ah, Morgo, il prend des pertes. Tiens, j'avais pas vu ça. Ah.
Voilà. 32 points, admettons. Tu les prends. Allez. 439, allez. Plus que 61 points. On les aura pas ici, les 61 points. On en aura combien? 8, 16. 16. 16, 24, 28. On aura 38 points supplémentaires. Il faudra reposer une pierre ailleurs. Bah justement, on sait où on va la poser. Je pense qu'on a notre dernière cible. Et là, on aura fait le tour des 4 continents, les mecs. Je vous l'annonce. On aura fait le tour des 4 continents du vortex. C'est un peu l'objectif secondaire, mais bon. Au moins, il sera accompli. C'est pas magnifique, tout ça? Corruption chaotique. On avance à Torsetai. Torox, tu vas avancer aussi. Il y a quelqu'un là. Ok. Est-ce qu'avec nos deux armées, on peut aller... Non, on peut pas. Kazrak n'a pas la portée encore. Allez, double raid. Boum. Le passa sacré là. Et on va commencer à faire tomber l'ordre, la corruption. Allez, oust. Avec nos armées, logiquement, on va faire très mal. Bisous. Maintenant, on va faire nous deux pierres spécifiques. Ils vont tous y passer, hein. Ça c'est, je l'annonce, ils y passeront tous en lustrie. Et on va pousser avec Torox ici. Allez, mutation étrange, c'est fait. Sur paix d'humain, c'est fait. Momon, on va lui mettre plus de PV. Allez. Et lui. On va lui mettre affaiblissement. Il veut la paix, mais bon, pas pour l'instant. Moi j'ai dit non. Le déchaînement c'est terminé. Vent de douleur, ok. On va chercher de shotek avec Malagor. Ah, Naka il a siège, ok, d'accord. Et on va chercher de Langslin comme ça. Chut. Les deux pierres, on continue de les buffer pour avoir une garnison conséquente. Et là, Torox, lui, va se mettre en route pour bah, les terres du sud. Hein, pour essayer de faire le dernier volet. Toi, je te laisse tranquille parce que de toute façon, t'es trop loin pour moi pour l'instant. Si l'inton, je vais prendre 50% de reconstitution. Allez. Je sais où on va spawner. On va se mettre dans la pyramide. Oui, à la pyramide de Nagash. On va le tenter.
J'ai une idée en tête là, avec la pyramide de Nagash. Ouais. Allez, le lancier, putain. Alors, est-ce que ça passe ici? Défaite valeureuse. Ah, ça calme. Malagor, est-ce que ça passe là-bas? Ok, d'une. Par contre là il faut aussi on s'empare de tout ça là. Ça va faire mal. Ça va faire très mal. Point de vie, allez. Là, on arrive ici. On va essayer de donner un coup de main à Kazrak. Hop. On attend Kazrak qui va se replier là. Il nous reste combien de points là? Alors 18. C'est quoi qu'on a qui nous attend là? Efficace en campagne, vent favorable porté. Allez, 25, je prends. Let's go. Le delta du Mortis, si je me trompe pas, ouais, c'est ça. T'as le grand désert ici avec la tour d'Arcane, la terre des morts et Kemri. Et là, c'est la pyramide de Nagash. Là, c'est le spot idéal parce qu'il y a pas mal de colonies, j'ai l'impression, autour. Donc, on va aller voir ça. Si je me mets en mode... Ah, ils peuvent pas changer de mode en navigation, les hommes. Tu me diras, c'est pas des navigateurs, c'est cohérent. Vol de vibre, mes reflets, chute de l'humanité. Xeniac n'existe plus, ça fait un moment qu'il ne devait plus exister, mais bon. C'est comme ça. On ramène Malagor ici pour Tlaxlan. Ensuite là, hop, niveau 3 pour ça. Dorox. Allez, encore de la portée, on prend. Là on va se faire un peu chier, mais bon, fallait s'y attendre. Oh, je... Oh, mais je vois des infos intéressantes. Il semble que jeune... Alors, 12. Est-ce que je vois les 61 points? Je les aurais pas, hein. 12 et 8. Enfin, 24. 24. 24 et 12. Ça me fait 36 points, c'est pas assez. Il nous faut plus. Et là, j'ai pas encore accumulé aussi. Alors, donc, c'est peut-être pour ça. Je vais me mettre ici en raid. Et là, une fois qu'on aura nos points. Bon, là, ils vont nous prendre le truc. Tant pis. La porte de l'aigle, elle tiendra pas. Dommage. Mais bon, il la laisse dans l'état. Moi, ça m'arrange. Comment ça, et tu as le verrouillé?
Hop, boum. Maintenant, on peut aller taper bah, ici. Hein. Est-ce qu'on devrait pas réclamer plus de points? Ah, je peux plus rien recruter. Ah bon, alors, attends. Ah si, là c'est bon, il y a eu un petit bug. Alors, je vais partir sur quoi? Deux points comme ça. Deux au cas où. Un Yabber Sight en plus. Un Gorgon, allez. Allez, pendule du destin. Toi, on va te mettre. Hop. Kazrak, on va lui mettre quoi maintenant? Ruine, ça peut être utile, effectivement. Et toi, on va te mettre flétrissement amélioré. Bon. Maintenant qu'il arrive petit à petit dans les terres du sud. Suivi pas loin de Morgour. Pied marin passe plusieurs tours en mer pour Thorax, ça c'est cool. Ah, on s'est introduit ici. Ah oui, c'est vrai, le Delta Mortis. Oh, attention. Il n'y a plus rien qui va maintenant nous entraver quasiment jusqu'à la fin, je pense. Faut juste boucler ça et c'est fini. Allez, on a rencontré enfin les sentinelles. On va encore pousser. Là, c'est la tour noire d'Arcane. D'accord. Donc, on n'est plus très loin, logiquement. Hein. Victor Lapyrus pour Mariokbourg. Bah, vas-y, hein. Le pognon, comme ce. C'est une pierre défensive ici. Donc globalement, on s'en fiche un peu. Et puis au moins, il meurt, et ça, c'est cool. Alors, Thorax. Pour moi, tu te mets là. Alors, je vois combien il a d'armée, l'autre là. Ah, il en a que 3. Bon, ça va. Motep. Et si je fais une pierre ici, est-ce combien je peux choper de points? Il m'en faudrait donc. Si là je compte. Je vais juste recompter bien. Là j'en ai 22. Là je peux encore choper 12 points. 12 points. Donc 12 et 22, ça fait 34. Là je serai à 473. Si ici je fais ma pierre, j'aurai 12 points. 10 points. J'aurai tous les points requis pour faire les 500 marques. Je vais attendre quand même le renfort de Morgo parce que bon, on va en avoir besoin. Et on va aller commencer à casser la gueule au roi des tombes gardant la pyramide de Nagash. Voilà, rater et avancer, c'est bien. On va essayer de voir, mais bon, j'ai des doutes. La victoire à la Pyrrhus quand même, hein. On va la prendre.
fin du déchaînement. Toi, tu vas te pointer d'ici 2-3 tours. Oh, il y a Imeric déjà. Alors, admettons, là, je fais une petite sauvegarde, je vais faire un test. Eh ben, tu sais quoi, on va y aller. Il faudra juste se méfier des rôdeurs sépulcraux. Bonus de charge plus 10. T'as une bonne charge, toi. Allez, je vais te mettre ça sur le Labor Slide de renom. On va les tenter. C'est pas une armée compliquée à tuer. Mais je pense que là, avec tout ce qui nous attend... Allez, on va casser un peu du squelette. Et là, en plus, on a nos minotaures en avant-garde et tout. On va juste se focaliser avec nos minotaures armes lourdes sur les rôdeurs sépulcraux et les cavaliers. Les minotaures normaux font le boulot sur l'infanterie. On va pas se poser de questions déjà. Alors, où sont leurs rôdeurs? C'est ça, eux, je les vois pas. Donc, à mon avis, ils doivent être dans la forêt. Donc, tous vous trois, vous venez là. Vous trois, vous venez ici. Le gorgon, pareil. On va te mettre là. Les minotaures à bouclier, vous mettez là. Les minotaures classiques, par ici. Les centigores, là. Et le reste... Oh, on a... Ah oui, c'est vrai, on a le cigore, là. Donc lui va bombarder un peu, tu vois. Donc vous, vous venez là. Vous, vous venez là. Et nous, on va charger dans le tas. Ouh, il y a une grosse perte au moral d'un coup, j'ai pas compris. Comment ça se fait, ça? Je crois qu'il... Ouais, ça va être un carnage, là. Il est où le roi des tombes adverses, là? Je le vois même pas. Viens là, toi. Kaineka, on l'a déjà chopé. Ça, c'est du guerrier squelette. On a la harde de Vestigore. Par là, les minotaures armes lourdes, ils sont en train de découper les Ushapti. Bah, les rôdeurs sépulcraux, ils ont envie de clamser. Waouh. Là, on va revenir là. Vous, vous venez là. Notre seigneur, il est là. Il se fait attaquer, certes. On va se faire le tourbillon de Kane si ça fonctionne. Et ça fonctionne très bien sur du Kemri. Regardez-moi ces dégâts. Où sont-ils? Ah, ils sont sur le Sigor, merde. Bon, on va rapatrier un Sigor ici. Mamma mia. On termine le ce qui reste. Torox est ici, là, paf. Waouh. Embuscade, bien joué. On 32 pertes quand même, mais ça va. Globalement, ça aurait pu perdre. C'était un lancer de six, ça aurait pu être un lancer de six aussi, tu me diras. Il y a juste le Labor Slide qui a fait le touriste dans son coin. Première armée. Je perds que ça. Allez, let's go, hein. Bon, on va pas besoin de renfort, hein. Il se barre, ça y est. On prend plus 5% de points de vie. On sécurise le grand delta. On refait nos deux pierres combo les plus craquées du jeu. Voilà. Alors maintenant. Voilà, hop. On a plus de minotaures comme ça. On va en prendre deux comme ça. On va en un comme ça. Sigor, c'est pas la peine. Un géant, ça peut être utile, effectivement.
s'agit d'être. Alors là, c'est Sentigore armure de renom. On va reprendre un comme ça et ça devrait être bon. Hein. Alors, attaque dévastatrice sur mon monde ici. Je crois qu'il y en a qui ont, ils vont rien comprendre dans ce qui se passe en terre de Khemri, en terre du sud là. Ah, il vient de se suicider. On perd juste un minotaure armure supplémentaire, ça. Les sentinelles n'existent plus. Si l'un tombe, qu'importe la distance, ça va être utile. On va juste revenir ici. Là, on va être à 469. De naga, je continue d'améliorer. Donc là, on va se retrouver face aux deux. Donc on va faire gaffe quand même. Et surtout que le problème, c'est que l'armée de Malagorn et de Morgor n'est pas encore arrivée. Donc c'est un petit peu problématique. J'en ai 5 à bouclier, j'en ai 3 comme ça. Donc il m'en faudrait un de plus à arme lourde quoi. Excellent. Et normalement... Non, tu rêves toi. Bon, toi t'es loin effectivement, pourquoi pas. Toi t'es loin aussi maintenant, c'est bon. On trie, on trie, on trie. Hein. C'est comme le Covid. Hein. On fait du tri malheureusement. Ça, c'est pas cool. Ici, on va encore mieux nos pierres ici et là. Ils sont allés au chevalier de Calédor. On va voir. Coureur assigné. On rase ici, ça nous fait combien de points? Ça nous fait combien de points? 22. Attends, est-ce que j'y suis? 22, 461. 461 et 30. 491. Ils n'ont plus grand chose, les mecs. Il nous manque plus grand chose. Je vais essayer d'aller chercher cette colonie là. Chercher Khemri, on va chercher bagarre. On va chercher bagarre d'abord, tiens. Pas la bagarre, hein, mais vous m'avez compris. Allez, boost. Ah. Donc il nous faut encore 61 points. Il nous faut juste une colonie à raser. On fait les deux rituels et c'est tout bon. Hyperbus sont fait exploser, ça c'est une excellente chose. Non, 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 attends. Ils sont partis de Khemri, tu me diras. Et je vais tenter d'y aller en un tour. Là, je vais me ramener aussi. En plus, Khemri, c'est une grosse ville, donc ça a de la valeur.
Kemri, des bisous. Bon baiser de Kemri. Déchaînement sauvage terminé, je vais prendre ça. Qu'est-ce que je peux rajouter? Encore. Viens dans. Donc 38. 38 et 439. 477. 477 et 30. Ça fait 507. J'ai quand même rasé cette colonie juste parce que je l'avais promis. Et on fera les deux derniers rituels pour nous consolider. Je pense que je vais voir la bataille finie qui nous attend. Je ferai du transfert en fonction d'eux. Donc on va se remettre là en position. Donc déjà, je vais accomplir le rituel ici. 477. Et là, logiquement, je suis à 507. Normalement, à eux deux, je devrais revenir à bout de cette ville. Voilà. Et là, j'accomplis le rituel. Oh. Le cœur des ténèbres est proche. Dorax mène ses hommes bêtes, massacrant tout sur son passage. Convoitant plus que tout le déchaînement éternel promis. Eh ben, on a réussi notre coup. Votre suprématie est maintenant assurée. Il n'y a plus aucun doute. Votre puissante harde guerrière fait trembler de peur toutes les races du monde. Une dernière bataille vous attend. Les dieux des ténèbres vous regardent. Remportez la victoire et affirmez votre domination. Ah, on va affronter Morgo. Alors, remportez la bataille suivante menée avec Thorax. Le cœur des ténèbres. Les sentiers des bêtes menant au cœur des ténèbres sont enfin réveillés. Thorax, responsable d'innombrables pillages, impitoyable à travers le monde, poursuit sa ruée sans fin en quête de nouveaux dons du chaos. Cependant, l'invasion du monde par les dons du chaos a toujours été le véritable objectif de ses maîtres. Et seul un pèlerinage de sacrifices et de ruines à destination du cœur des ténèbres permettra d'accomplir cet objectif. Il semblerait également que d'autres individus ont également fait le déplacement, et certains avec des intentions bien différentes. Mais avec le rite final à sa portée, le taureau des reins ne pourra se voir refuser à faveur des vieux. Le favori. Oh putain. Plus 5 en capacité de Gorgon, Jabber Slide et plus 3 pour tous les Minotaurs. Avec bouclier, arme lourde et classique. Ah oui. Donc ça veut donc dire qu'on va peut-être affronter les autres hommes bêtes. Alors avec Morgour, logiquement, bah il y aura les 3 autres. Si on est logique. Il y aura. Comment il s'appelle ? Il y aura. Donc là, déjà, il y a un avantage, c'est qu'il n'a pas de minot. Donc déjà, ça règle un problème. Par contre, mon arme, est-ce qu'elle est adaptée? Le géant, je vais le retirer déjà. Le géant, je vais le retirer. Je vais partir sur un quatrième minotaure arme lourde. Voilà. Tu vas aller là. Je vais juste voir par curiosité. Alors, Ikea, il est minuit. Oups, pardon. Alors, est-ce qu'on l'a fini ce soir ou est-ce qu'on l'a fini demain? Après, j'en aurai pas pour longtemps, c'est ça qui m'ennuie. Sur le papier, je la gagne. Mais je vais la faire ce soir, parce qu'au pire demain on fera autre chose, on trouvera un truc. Ne vous inquiétez pas, donc soit au pire on la finit ça, au pire demain. Donc allez, on se téléporte pour le cœur des ténèbres avec Thorax. Ils me disent victoire à la Pyrrhus, fallait s'y attendre, à mon avis il va pas y avoir que ça à gérer, croyez-moi. Donc on est parti, on a même le Gorgon. Elle est simple, je l'ai vu sur le stream HCJ. Bon, bah si tu le dis, hein.
J'espère que mon armée sera qualifiée pour. Bon, vu ce que j'ai. Et si, le bout. Est-ce que CJ avait l'épée de Kane? Une épée folle furieuse, tu sais. Le lieu connu sous le nom de Cœur des Ténèbres est une destination dont on ne parle jamais. Mais le chemin vers le monolithe maléfique et son centre est toujours révélé à ceux qui ont la faveur des dieux des ténèbres. Mais le plan destructeur visant à faire naître un nouvel avènement du chaos grâce au pouvoir de la puissance pierre des Hardes importe peu au taureau d'air. Il ne souhaite rien d'autre que recevoir le pouvoir de se déchaîner éternellement et d'étancher sa perpétuelle soif de sang. Les ennemis ne manquent pas car des rivaux aussi cherchent à obtenir ce pouvoir, tandis que d'anciens ennemis rôdent dans l'ombre. Donc à mon avis on va avoir Oxyotl dans le coin. Il y a beaucoup de monstres, hein, ceci dit. À mon avis, si... D'accord. C'est à demi-transir. Ouais, avec une armée de quasiment full mino, quoi. Boucliers normaux et... Enfin, boucliers anti-infanterie aussi et armes lourdes. On va essayer de casser la gueule. Je lâche en TDTD, donc j'espère que ça va passer. J'ai un peu peur de ça, en fait. Torox doit survivre, ok. Ah, il y a une autre unité là, c'est quoi ça? Vaincre Morgour, ok. Il y a beaucoup d'unités mobiles de ce que je vois. Bon, l'avantage que j'ai, c'est que... Bon, déjà ça va régler un problème ici. Envoie-lui ton caillou loin, ça m'arrange. Et une autre unité par là. Donc là, il y a déjà ça qui saute. Ah oui, ils sont 5000. Ah oui, carrément. Et nous, on est combien? On est 2556. Donc ça veut dire qu'on va avoir du renfort. Alors, on va rentrer dans l'arbre de Razorgore. On va rentrer dans les Centigueurs armes lourdes. Avec les minous ici, on va faire ça. On va pousser là. Oh! Eh, mais je les découpe comme des petits pains. Il faut arrêter le délire là. Waouh! Et on se calme, hein, les mecs. Minotaur. Alors, ici, je vais faire une petite nuit venimeuse. Ou un... Efficace contre un seul guerrier. Enfin, c'est parti. Allez. Torox, là, il est en mêlée. Oh la vache! À mon avis, je pense qu'il y en a d'autres qui vont venir de Dombet. Et je suis sûr qu'il y a aussi Oxyotl dans le coin. Sinon, ils n'auraient pas fait le DLC, hein. Je suis désolé. Bon, le chef Mino par là. Nos hommes bêtes, c'est bien. Donc on va garder des réserves quand même. Là, il y a ces deux Sigurs en arrière. Oh la vache, on te les déroute. Voilà, mon Liaberslide de renom, il va aller chercher ça là-bas. Bon, ça, je prends pas trop de pertes pour l'instant. Torox est en train de se faire Morgo, il tombe ou pas? Eh, il a du mal à percer Morgo, à tomber Morgo, punaise. Est-ce que j'ai pas un sort pour le debuff? Ah, tu sais quoi, je vais baisser ses stats. Je vais le debuff. Bon, c'est pas mal. Alors là-bas, qu'est-ce qui va pas? Gorgon. Va aider les harpies parce que notre Sigur est en grande souffrance. Eh bien, là, les derniers rejetons sont en train de clamser, donc logiquement, on a détruit même pas un quart de l'armée.
Ah, ça y est, Morgour, il est en train de se faire la malle, c'est bien. Les forces de Morgour se dispersent. Il a honteusement échoué à l'épreuve, ses rangeurs se joignent à nous. Ok, donc on a des alliés, mais on a d'autres menaces. Morgour, faible, chef de rien, moi, plus fort. On a des renforts déjà. C'est quoi de ces Pégus là, sérieux? Qu'est-ce qu'ils foutent? Ah bah tiens, salut Oxy. C'est Oxy, c'est obligé. Oh la vache, ils sont l'air nombreux les cons. Alors, massacrer les ennemis des hommes bêtes au nom de Korn. Ok, c'est parti. Korn exige du sang. Tuez-les tous. Eh ben, on est parti. Oh, les prisonniers là-bas, on va y aller, hein. Donc déjà, on va s'occuper des prisonniers, c'est pas le plus compliqué. On va regrouper nos forces déjà. C'est quoi, c'est des prisonniers, mais ils sont quoi? Bon, bah c'est parti, hein. Allez, ça va voltiger. Faut que je ramène Coco et les autres là-bas. Il est où là? Il est là. Non, c'est pas Oxy ça. Donc là, les prisonniers, normalement, ça doit vite tomber. Ouais. Par là, le Sigur, il va faire le carnage. Vous, vous remontez là. Mais c'est une bizarre, ça. Elle est marrante, cette bataille, je trouve. Bah, je vais les tuer, Loubou, c'est en coup, regarde. Par contre, mon chaman, j'ai ramené Mitrandir. Bah tiens, t'es là, Mitrandir, aussi, pour cette bataille. Félicitations. D'autres armes de lancier de longueur. J'essaie de supporter mon armée. Ah, il y a le Sorin. Oh, c'est quoi ça? C'est des monteurs, ok. Kodan, tu vas aller supporter Torox. Oh la vache. Ils sont pas prêts de revenir. Hein. C'est quand vous voulez. Ils sont indémoralisables, c'est ça? Du sang pour les dieux du sang. Des crânes pour le trône, des crânes. Alors attends, j'ai envoyé Kodan aider contre les monteurs là-bas. Oui, mon air bien dangereux. Le Yabberslight sur ses skins à crête rouge. Bon, là-bas c'est terminé quasiment. De l'autre côté, ça se passe comment le carnage? Ça continue. J'ai laissé quoi en réserve? J'ai laissé mon Sigor qui peut pas tirer, ok. C'est bien les hommes lézards là, on est entre. Regardez le nombre d'ennemis, ils se rééquilibrent. Bon, c'est que des prisonniers, vous me direz, pour la plupart, mais ça fait toujours ça de moins. Allez, on est bientôt aux 2000 les mecs. Ça, c'est pas le plus compliqué. Oh, c'est ça qui me fait peur là-bas. Il y a beaucoup d'unités, hein. Bon, c'est bien. Là, on a deux unités de minotaures qui font le boulot. On va venir aider quand même dans le dos. Une bonne grosse charge des familles. Allez, ça c'est fait. Le soif de chant de la grande prière des hardes commence à s'agiter. Oh. Korn est content. Je suis un suppôt de Korn. Waouh. Eh, ils ont mis le paquet quand même.
Beaucoup de sacrifices faits, maître des ténèbres, ravi. C'est des renforts pour moi? Ou c'est mes ennemis, des nouveaux ennemis encore? Oxyote, je m'en doutais que tu serais là. D'accord. Ce sont des nouveaux renforts. Il est là, lui. On va les découper. Là, c'est la horde d'Oxyotl qui arrive en renfort. Donc, eux, je les déplacer là. Et là, notre horde va pouvoir venir. C'est lui, c'est Oxyotl, là? Oui, il est là, ok. Et on a le Gorgon de Corne, s'il vous plaît. Oh. Bon, évidemment, ça prépare... ça prépare les renforts de... ça prépare Warhammer 3, qu'on soit d'accord. C'est quoi, ça? Il est là, je le vois. Alors, où t'es, Mitrandir? T'es là. Il a besoin d'un coup de main. Alors, par contre, vous... Là, les skins caméléon, je vais leur baisser leurs munitions. J'aurais dû le faire sur Oxyotl aussi, tu me diras. Vous, vous venez par là. Allez, let's go. On fait un gros bull. Alors, Minotaur Armour, venez, venez. Torox, on va te donner plus d'attaque. Et là, je vais tenter le coup de poker, à savoir ce tourbillon. Voilà. Est-ce que ça fait du dégât? Oh, vraiment, on dit rien. On dirait qu'ils ignorent la résistance du truc. Bon, d'accord, pourquoi pas. Allez, on pousse. Et là, on va monter avec la colline. On va tenter une petite nuée venimeuse ici. On va tenter aussi des dégâts magiques là. Voilà, c'est pas mal. Efficace contre un seul guerrier. Bah tiens, ça pourrait être l'oracle screen aussi, tant qu'à faire. Oh punaise, mais sans Tigre, ils ont pris le tarif ici. Hein. Alors, Torox, tu vas aller me chercher Oxy qui est là-bas. Et toi, tu vas venir là, essayer de me dégommer. Je vais te mettre charge. Bon, c'est bien, on est en train de repousser les arbres. On prend cher, mais ils tiendront pas, logiquement. Voilà, on continue. Va chercher Oxy, allez, Torox, tu peux le faire. Hein. Là, j'essaie de me dégager avec les dégâts de feu. Voilà, très très bien. Ça va peut-être me libérer. Très bien. Il arrive au contact d'Oxy. Ouh, Oxy qui est en train de manger la poussière. Et tue-le, tue-le. Voilà. Crève, sale bête. T'as 1320 d'attaque dans la gueule aussi. Bon, ben, plus d'Oxy. Là, le moral va tomber, va commencer à tomber, logiquement, avec tout ce qu'on a mis. Bon, vous, il faudrait peut-être se pointer, les gars. On a besoin de vos renforts. Alors, toi. Allez. Il me reste un minot en vie ici. Là, j'ai encore des minots à bouclier. Toi, tu vas revenir là. Le Gorgon, bah, tu vas revenir ici. Il se barre. Non, on l'a eu, Momon, le caméléon. On l'a eu, le aussi. Hein. Alors, où ça résiste? Là, ça résiste. Mais bon, là, je pense que, regarde, la perte de morale, là, elle est trop forte. Les hommes lézards fuient, oxytologie brisée. La détermination des guerriers, des peaux froides, des ténantis. Nous sommes victorieux. Elle était marrante quand on essayait de battre. J'aimais bien le coup des prisonniers, c'était assez drôle.
Les centaures, ils ont pris le tarif, mais après, globalement, l'armée, ça va, on n'a pas trop eu de pertes. Oh, 400 kills les minots ici. Conan, 14 kills, ça va. Le gore, les, toutes les créatures ont fait le boulot. Hein. Le taureau des reins rugit de triomphe. Le rituel est terminé. Maintenant que les sang-froids ne sont plus, une ère de cauchemar va s'abattre sur ce monde. La harde mugit de victoire. Un massacre sans fin les attend. Ouais, je suis content. Surtout les hommes bêtes, je pensais jamais les finir un jour. Honnêtement, le rework, ça m'a aidé. Hein. Gloire à vous, gloire à nous. Jamais la guerre ne cessera, car telle est la nature tourmentée de ce monde. Mais pour l'instant, la victoire est vôtre. Le cœur des ténèbres, favori. Je vais avoir autant de encore plus de minots et tout. Bon. On va juste... Alors, attends. Je vais juste passer le tour pour voir s'il y a un épilogue, parce que je sais que des fois, j'oublie les épilogues avant. Alors, nous allons partir sur 4. Nous allons partir sur quoi d'autre? Encore un comme ça, 4. 4... Et il nous faudra encore une unité. Alors, les deux centaures, là, je vais les séparer. Voilà. Je passe juste le tour pour faire le voir s'il y a un épilogue ou pas. Et je pense qu'on va s'arrêter là pour ce soir, messieurs, dames. Enfin, surtout messieurs. Donc, comme tu le vois, mais tant dire, j'ai réussi à faire tous les continents à poser une pierre. C'était plutôt cool. Mon objectif était atteint. Les quatre coins du monde, on les a... On a fait du tourisme.